qui font la course, et notre ami Stériot au Chinchiche également continuera d'alimenter tout notre circuit avec beaucoup de compétences. Remercierai également toute l'équipe technique du circuit des Nîmes, et en particulier le Raymond Besser, Gilles Michin, Jean-Jacques Bochetti. Je tenais au nom de M. Gérard Wissler, notre directeur commercial, remercier déjà l'ami financier qui nous accueille chaque année dans ses locaux pour cette présentation à la presse de ce circuit des mines, en vous rappelant également que la date du 26 avril, et puis bien sûr le service promotion animation du Républicain Lorrain qui me tient un petit peu particulièrement à cœur. Et merci également de tout ce que vous nous apportez. Nous allons trouver cette année les équipes inédites. L'équipe de France des Bleuets, nous avons l'équipe de Lorraine, nous avons une équipe de Champagne, une équipe de Franche-Comté, une équipe d'Île-de-France, une équipe de l'Orléanais, une équipe du Lyonnais et une équipe du Dauphiné-Savoie. En équipe étrangère, nous avons une équipe nationale, et ça ne sera pas des Côtes d'Oreille, c'est une très grande équipe, une équipe nationale de Belgique. Nous avons une équipe Allemagne, nous avons une équipe du Danemark, nous avons une équipe d'Urs, une grande équipe, ça sera la première année qui participe au circuit des mines. Nous aurons également la joie d'accueillir une équipe d'Australie, qu'on vous dit, très bonne équipe, qui n'a jamais participé au circuit des mines, une équipe de Pologne, une équipe de Hollande, et les États-Unis qui nous reviennent. Merci à vous tous. Alors, il m'appartient de conclure cette soirée. Alors, j'avais tendance à dire quelque chose que je pratique. Je dis, je souhaite un bon vent au circuit des mines de 1990. J'ai vu tous les jours à la télévision que non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Je remercie notre ami Bernard Wissler qui également gentiment vient nous apporter toute, je dirais, cette séance pratiquement télévisée qu'il nous fait et qui nous fera la gentillesse également de nous faire un reportage complet sur la première étape qui sera diffusée le soir même à Verdun dans sa bonne ville. Merci Bernard encore une fois. Summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. On applaudit l'équipe de Lorraine. Prologue d'hier, maillot blanc Solac sur les épaules. Dimitri Vassilichenko, maillot blanc Solac. Fischer Abdourach Manov avec Alexandre Osipov et son directeur sportif Charafolin. L'équipe du l'équipe militaire de l'Union soviétique, l'équivalent du bataillon de Joinville. Madame, mademoiselle, monsieur, la présentation officielle de ce 29e circuit des mines terminée. C'est Polska là, c'est polonais. They got a line behind the blues. They want to call something to come before I'm going to be a friend. They're going to be a Thank you.
nuit aux 100 coureurs du circuit des mines, avec la plus longue étape de l'épreuve, Briey-Verdun, 174 km. Les Soviétiques, qui ont beaucoup impressionné hier dans le prologue, sont aux avant-postes. Et lorsqu'une première tentative d'échappée prend corps à Neuchef, au kilomètre 40, l'un des membres de l'armée rouge, le 41 Koutepov, est dans le trio qui compte aussi le Lorrain Christophe Mangin numéro 5 et le Hollandais Sent 141, deuxième de l'épreuve l'an dernier. Cette échappée sera reprise juste avant Pienne, après 70 km. À Pienne, où les Soviétiques ont la malchance d'être impliqués dans une chute, aussitôt les Hollandais provoquent une cassure et un groupe de 12 coureurs prend la poudre d'escampette. Verdun, il y a des ponts.
soleil. Minutes d'avance que les fuyards s'engagent dans la montée de Douaumont, la plus grosse difficulté de l'étape. J'ai fait une bordure, je me suis retrouvé devant. Ce qui m'a permis de prendre le maillot. Maintenant, il va falloir le défendre, ça va être difficile. La leader de l'épreuve, les grands perdants sont les Soviétiques. Pour le classement général, ça va être dur. Je vais défendre mon maillot de rappeur. Grosse déception pour les Soviétiques, mais aussi pour les Lorrains, qui défendra jusqu'au bout son maillot de meilleur grimpeur. Passer deux semaines sans pluie, sans pâté dans les boulangeries. On supporte pas qu'il y ait trop de soleil. Ça c'est parce qu'on s'est resté simple à trop grandir sous les nuages. Notre gloire on la laisse en partage. En passant par la Lorraine avec tes sabots d'ondaine, tu verras que nos fils sont belles et que nos fils dont sont des rois. Voilà, victoire d'étape ici à Verdun de Frank Steinbach dans ce trophée Solac, vainqueur en 81. Régis Simon va se voir remettre ce maillot blanc dans le leader au terme de cette étape la plus longue. Nouveau maillot blanc, on lui donne un petit coup de main parce que deux maillots l'un sur l'autre, c'est très mal. On applaudit le nouveau leader du circuit des mines en 1990 et qui va être nouveau maillot blanc, donc Régis Simon de l'équipe de Champagne. C'est un nom moins traditionnel. Voilà, vos applaudissements pour le maillot vert, Franck Senda, meilleur grimpeur de ce circuit des mines, 29e édition, le tout jeune Lorrain. Christophe Mangin, qui va se voir remettre le maillot rose de la montagne, celui qui fut deux fois champion de Bretagne, dotation de Batigère, il va être à son tour fleuri. Leader du classement de la montagne.
Premier passage à Verdun, le Hollandais Eric Volsink. Le d'épargne de l'écureuil Eric Assent, maillot de la combativité, maillot jaune. De Verdun au vainqueur de l'étape pour le coureur le plus combatif. Cécile Tchenko, vainqueur du Paul-Gaillard, victime du Lechit aujourd'hui, qu'on peut applaudir. Alors qu'il passe à la dernière position de ce groupe, victime d'une chute aux alentours du centième kilomètre. Verdun, étape de cette première étape en ligne de ce 29e circuit des mines qui aura donc vu Régis Simon prendre le pouvoir. Thank you.